vous avez aussi un petit peu de tout. Des pièces toujours de ces quatre expositions et celles qui n'ont jamais été exposées comme ces deux-là, les vieux tourleurs et donc l'ivrogne de Didier. L'hommage aussi à Gustav Klimt n'a jamais été exposé pour l'instant, mais le rock'n'roll comme les Amazones du Sahara, une toile sympathique où effectivement on nous dit que les femmes durant la haute antiquité, particulièrement dans le Sahara, étaient typées asiatiques, avaient des coiffes de femmes occidentales et des peaux de femmes indiennes. Pour maintenant manifester leur féminité, elles refusaient de se transporter à dos de bœuf et se transporter à dos de vache. Ce qui est aussi quand même assez extraordinaire. On a l'impression qu'elles étaient en avance sur les féministes d'aujourd'hui. En face de vous, vous avez donc, comme vous l'avez baptisé, droit constitutionnel dans une société de défiance. C'était une invite à sortir toujours de la défiance pour aller vers une société de confiance. Là, j'ai voulu rendre hommage aux captifs de 1721, parce qu'en traitant de la période assez dure de l'esclavage, on traite souvent les esclaves. On est esclave une fois qu'on a été vendu à un autre et ailleurs. Et on oublie ceux qui ont été captifs et qui n'ont pas eu le temps de devenir esclaves. Parce que tout simplement, restant dans les profondeurs, mort en chemin et jeté tout simplement à l'eau. Ou malade dans les esclaveries et jeté à l'eau, comme ce fut le cas en 1721 à Gorée. Quelques œuvres ici sur le guérisseur, sur le sujet malade. La fille du Tunka, ici, il est très rare dans l'histoire du Sénégal d'enseigner le royaume du Ngalam. Le royaume du Ngalam allait de Dakar Bango jusqu'à Bakel, en passant par ces collines du Falémé. Donc c'est là que le Sénégal puisait, enfin c'est cette zone du Sénégal qui faisait du pays le premier producteur d'or au monde. Alors je me pose tout le temps la question de savoir pourquoi est-ce qu'en réalité, on n'enseigne pas à nos enfants ce royaume, ça racontait de l'époque, c'était le royaume des Cissé, donc ce royaume du Ngalam, la fille du Ngalam qui était la fille du Tunka. Ici, j'ai voulu accompagner et rendre hommage à notre équipe nationale par Win the Match. Hein, donc en reprenant un petit peu le joueur de foot qui marque un but et qui crie et qui lève la main, qui waouh, comme ça. Donc bon, par la grâce de Dieu, on a quand même accompagné les Lions jusqu'à la finale. Manque de chance, comme j'ai dit, un match de foot, ce n'est pas un combat de gladiateurs. Ils ont montré quand même au reste du monde qu'ils savaient jouer au ballon avec élégance. Ils nous ont tout simplement honorés. Donc je n'ai pas regretté d'avoir quand même fait cette toile pour réellement les accompagner. Je l'ai fini exactement le 21, date d'ouverture de la Coupe d'Afrique. Et elle est aujourd'hui là à ma disposition, je la garderai. Parce qu'en fait, c'est de beaux souvenirs. Ils m'ont fait rêver pendant beaucoup, beaucoup de moments. Voilà. Donc c'est à peu près ce qu'on a ici. Vous avez à l'étage quelques œuvres qui traitent de l'art rupestre et de l'art pariétal, dont deux ou trois qui ont eu à accompagner une collection Frobenius à Lifon dans le cadre d'un colloque international qui s'appelle Anthropos, qui m'avait invité avec deux autres artistes à mettre en résonance sur les œuvres de Frobenius quelques pièces donc sur le rupestre, mais quelques rupestres avec une tonalité assez contemporaine, donc une touche d'un artiste dit contemporain. Voilà, donc ce que j'ai essayé de faire, on l'a là, c'est ce qui me fait apparaître dans le catalogue.
chambre, mais ça n'est pas une. Où s'en es-tu? Thank you.
vous voyez de la profondeur, vous voyez de la lumière, vous voyez des ombres, puis rien d'autre. Maintenant, le reste, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration, vous savez, vous restez là, vous voyez un gosse faire pouf dans l'eau, vous entendez un petit bruit, ça peut vous inspirer. Vous voyez une belle fille passer à côté, vous la regardez, c'est le petit détail. Moi, je les confonds à 9 couches. Et durant ces 9 mois, quand je dis que j'ai du respect pour la femme, parce que c'est elle qui a la richesse de transmettre l'histoire de l'humain, c'est dans ce ventre-là que se crée ce qui font de chacun de nous un élément exclusif. Soyez-vous des jumeaux monozygotes, vous n'aurez jamais les mêmes empreintes, vous n'aurez jamais les mêmes ADN. Et c'est dans le ventre, dans cet espace ventre de la femme, que ceci se fait. Donc, tout le respect que j'ai pour la femme, et ce qui justifie aussi la présence de la femme dans quasiment...
que seul le fait de meubler. La présence de l'animal et